ville construite aux environs de 200 avant Jésus-Christ et habitée jusqu'à sa chute au 6e et 7e siècle. Les peintures murales sont très bien conservées. On appelle ça chez nous la raquette, d'accord? Ça c'est la principale production agricole. Donc le revenu c'est le tourisme, bien sûr, les cactus, la production de cochenille. Okay. Et avec ça on obtient la couleur rouge. Ah bon? Avec du blanc? Avec ça? Ah oui. Parce que c'est le sang en fait de la cochenille. Ah. Regardez. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est dingue. On mélange ça avec de l'eau, on obtient des couleurs, quantités. Du chardon qui nous donne la couleur jaune. Ça c'est plus tardif, ça c'est une feuille qui s'appelle lechuguilla et avec la lechuguilla on obtient la couleur verte, d'accord? Mais par contre, la couleur mauve, vous voyez? Donc ils découvrent. Bon, ça fait une jolie démonstration quand même. Ah, oui. Merci Denis. Dans la cuisine. Et puis par exemple, on profite plus du climat ici. Et ça, c'est encore une vue aérienne du site. Nous grimpons sur la pyramide de la Lune. Vous apercevez la pyramide du Soleil sur la gauche de l'image. Il faut une bonne forme physique pour grimper au sommet de la pyramide du Soleil. Mon GPS m'indique 2326 mètres d'altitude. À partir d'une plante de contact, c'est pour nous de la couler une espèce de cerf sucré
qui s'appelle agua miel pendant 6 mois. Oui, 4 litres tous les jours pendant 6 mois. Alors, c'est le Musée national d'anthropologie. Oui. Alors là, vous avez vu des codex. Oui. Les codex sont des parchemins que nous ont laissés notre ancêtre. Et peut-être vous connaissez l'Égypte. Oui. En Égypte, vous avez vu papyrus. Oui. Oui. Ça, c'est un peu l'équivalent à les papyrus égyptiens. Regardez. Ah. Ah. Vous voyez? Ça, c'est les papiers qu'ils ont utilisé à l'époque pour faire des codex. Bien sûr que ça... La couture. À partir d'une plante comme ça. Teotihuacan, l'héritage plus important que nous ont laissé notre ancêtre depuis quelques siècles, je vous parle, 60 ans avant Jésus-Christ, c'est l'obsidienne. Heureusement pour moi, vous avez déjà été au Musée national d'anthropologie. Donc vous avez une idée très claire de ce que c'est l'art précolombien du pays. Et l'obsidienne, mes amis, c'est une variété de lave. C'est la lave des volcans pétrifiée ou plutôt vitrifiée. C'est plutôt un verre volcanique qui dépend de la profondeur, dépend de la façon de se refroidir et surtout la mélange avec différents minéraux dorés. Voyez ? Voyez la couleur ? Ah oui, oui. Ah, oui. 60 mètres de profondeur dans la montagne, oui, où on la trouve. Vous voyez la couleur? Ça, c'est argenté. Il existe aussi de l'obsidienne rouge tachetée noire. Ce sont 4 différentes variétés d'obsidienne. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Venturina. Oui, la venturina. Oui. Et avec tout ça, mes amis, venez voir qu'est-ce qu'on peut arriver à travailler ou qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Et n'est pas ici. Ah non.